Bonsoir, je suis Fred Michalak et j'ai la chance de vous présenter le plus glamour des programmes, le classement des 100 stars féminines les plus sexy de 2011. J'ai la chance d'être entouré par deux danseuses du célèbre cabaret Le Moulin Rouge qui auraient pu être dans notre classement. Enfin, ce n'est que mon avis. Alors, qui sera d'après vous la star la plus sexy cette année? Qui a été élue en tête de ce classement des plus belles jeunes femmes du monde pour succéder à Laure Manoudou et à Monica Bellucci, les deux dernières gagnantes? Actrice, mannequin, chanteuse, sportive ou encore présentatrice télé, elles ont rivalisé de charme et de beauté pour figurer parmi les 100 lauréates du sondage réalisé par l'Institut CMC. Alors, vos favorites sont-elles bien placées? Sans plus tarder, je vous propose de vous régaler avec le sommaire de notre émission. Préparez-vous à passer un moment exceptionnel car notre dieu du stade, Frédéric Michalak, vous invite tout de suite à la rencontre des 100 stars les plus sexy de l'année. Brune, blonde, rousse, pulpeuse ou filiforme, pendant une heure et demie, les femmes les plus glamour de la planète vont défiler sous vos yeux. C'est vous qui avez établi ce classement de rêve de la 100e à la première place. Et elles sont toutes là, Eva, Pénélope, Clara et toutes leurs copines. Une émission durant laquelle nous vous dévoilerons tout ce que vous rêvez de découvrir sur toutes ces stars sexy. Plusieurs d'entre elles ont accepté l'invitation de Frédéric et se sont prêtées au jeu des questions-réponses. Des rencontres aussi explosives que glamour. Quelles sont les nouvelles tendances cette année? Donnez-vous vos préférences au quadra face aux jeunettes? Aux françaises contre les étrangères? Les réponses sont dans ce palmarès plein de belles surprises. Enfin, le moment que vous attendez tous sera la révélation de la grande gagnante 2011, qui succédera à Laure Manoudou, star la plus sexy 2010. Une française, une américaine, une actrice, une chanteuse? Pas facile de se risquer au jeu des pronostics. Mais face à tant de concurrence, une seule chose est sûre, la gagnante sera forcément sublime. Alléchant, non? Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Démarrons ce classement par les moins bien classés de nos stars. Attention, elles ont quand même été sélectionnées dans les 100 plus belles. Ce n'est pas rien. Et il suffit de voir qui figure entre la 100e et la 90e place pour comprendre que la concurrence était plus que rude. Notre début de classement nous emmène tout droit en Angleterre, où est née Keira Knightley. Elle commence sa carrière très jeune et devient mondialement connue en 2003 avec ses rôles dans Joula comme Bécane et Pirates des Caraïbes. Elle est élue la star la plus sexy de tous les temps par les lecteurs du magazine spécialisé dans le cinéma Empire et seconde actrice la mieux payée au monde par Forbes avec 32 millions de dollars gagnés en 2008. Toujours citée parmi les stars les plus élégantes, glamour et sexy, elle remporte tous les suffrages et donc le vôtre puisqu'elle est 100e de notre classement. Nouvel espoir du cinéma français, Alice Taglioni est une jeune femme qui sait conjuguer talent et beauté. La jolie blonde aurait pu être une pianiste de renom, mais c'est le métier d'actrice qui l'attire tel un aimant. Actrice au talent multiple, la Miss Corse 1996 aux allures de mannequin montre une plastique parfaite dans le clip de Martin Solveig. L'an dernier, elle a subi un terrible drame avec la disparition de son compagnon Jocelyn Quivrin, le père de son enfant Charlie, dans un accident de voiture. En 98e position, on retrouve une James Bond girl, Eva Green. Cette beauté mystérieuse avec sa peau de porcelaine et ses yeux bleus a fait son entrée torride dans le film Innocent en 2003 de Bertolucci. Daniel Craig tombe littéralement sous son charme dans Casino Royale. Le monde découvre alors une beauté à la française, digne héritière de sa mère, la comédienne Marlène Joubert, et cela arrache. Ses photos sexy la rendent irrésistible. Le
Ce petit bout de femme est l'une des chanteuses les plus talentueuses de la pop anglaise. Lily Allen se fait remarquer par ses prises de position et ses diverses déclarations fracassantes à l'encontre notamment de Kylie Minogue ou de Amy Winehouse. La petite peste adorée de la musique britannique a eu l'honneur d'être choisie par Karl Lagerfeld lui-même pour incarner l'image de la luxueuse marque française de renommée mondiale. En tant que nouvelle fashionata avertie, Lily fait comme toutes les modeuses et nous dévoile toujours plus ce corps qu'elle ne cesse de sculpter. La température monte dans le classement des 100 stars les plus sexy. À la 96e place, direction la Roumanie, où le top modèle Catherinelle Menghia dévoile ses courbes parfaites. Égérie d'une grande marque de lingerie, la superbe brune au regard brûlant et envoûtant, qui a défilé pour les plus grands, a fait chavirer le cœur de l'ancien joueur de foot italien Massimo Brambati. 1m75 de charme intense pour 51 kg de bonheur absolu et des mensurations a laissé bouche bée n'importe quel homme. Objet de tous les désirs, son petit tatouage en bas du ventre la rend encore plus sexy. La République tchèque, où se situe notre 95e star la plus sexy, Karolina Kurkova. 1m82 blondeur avec des mensurations à la limite de la perfection. 84, 58, 87. Ce mannequin aux yeux bleus met ses courbes sculpturales au service de la lingerie. Avec sa poitrine généreuse et ses jambes galbées, elle représente l'arme fatale de séduction. À 26 ans, Karolina vient de mettre au monde un petit garçon. Le superbe top modèle Marissa Miller, l'un des anges de la célèbre marque de lingerie américaine, est délicieusement aguicheuse. Normal qu'elle fasse partie de ce classement tellement chaud. Quand le fabricant d'un jeu vidéo embauche le top modèle pour vanter les mérites de sa fausse guitare, c'est en petite tenue qu'elle se déhanche de façon très suggestive. La belle secoue le manche de sa fausse guitare avec une dextérité sauvagement sensuelle. Jugée trop haute, la publicité n'a jamais été diffusée aux États-Unis. Marissa Miller a décidé de devenir actrice de cinéma. Encore de belles images en perspective. Après le mannequinat avec Marissa Miller, place à la politique. Même si elle ne fait plus partie du gouvernement actuel, remaniement oblige, Ramayad laisse malgré tout l'image d'une des femmes politiques les plus sexy. À la 92e place, la sexy Anne-Sophie Lapix. À la tête de l'émission politique Dimanche Plus sur la chaîne cryptée, la sublime blonde séduit aussi bien ses invités que les téléspectateurs de plus en plus nombreux. Toujours souriante, ses yeux verts étincellent lors des sorties mondaines. Vous êtes sûrement nombreux à vouloir lui passer la bague au doigt. Mais c'est finalement Arthur Sadoun, président d'une grande agence de publicité, qui a obtenu sa main. Miley Cyrus est sexy, c'est en tout cas l'avis de beaucoup de monde puisqu'elle se situe à la 91e place. Idolâtrée par les ados, Miley, qui s'est fait connaître avec le personnage d'Anna Montana produit par Disney, fait parler d'elle et attire les photographes à chacune de ses apparitions. Elle a bien compris qu'elle avait grandi et n'hésite pas à l'affirmer dans ses clips de plus en plus chauds et de plus en plus controversés. Rien d'étonnant que son clip Can't Be Tamed, dans lequel elle se déhanche de manière provocante, suscite la colère d'une association parentale.
de rappeler que Miley n'a que 18 ans. Direction Marseille pour retrouver Laetitia Milo à la 90e place. Elle incarne depuis 6 ans la jolie barmaid du bar du Mistral dans la série à succès Plus belle la vie. Laetitia Milo, 30 ans, pétillante brune au charme fou, a été l'une des égéries d'une marque de lingerie française. James Bond Girl comme Eva Green, ex-ministre comme la belle Ramayad, ou Laetitia Milo, la comédienne de Plus belle la vie, tous les métiers mènent à notre classement des 100 stars les plus sexy. Mais pour dépasser la 90e place, il faut vous surprendre et vous séduire encore un peu plus. Vous allez découvrir que les 10 prochaines jeunes femmes de ce palmarès ont toutes non seulement un charme fou, mais aussi une sacrée personnalité. C'est en Hollande que l'on retrouve notre 89e femme la plus sexy, Doute Sainte-Croos. 1m78 de glamour et de sex appeal, cette nouvelle star des podiums illumine les collections des plus grands couturiers et incendie avec ses yeux clairs les papiers glacés des magazines du monde entier. Ses courbes parfaites et une bouche incroyablement pulpeuse font de Doute Sainte-Croos l'une des femmes les plus ensorceleuses de tous les temps. Figurant parmi les anges de la lingerie, la belle néerlandaise montre une plastique irréprochable. Une véritable bombe qui fait partie des mannequins les mieux payés en 2009, en empochant la bagatelle de 6 millions de dollars et qui vient d'obtenir la consécration en posant pour le célèbre calendrier Pirelli. C'est avec sa peau de lait et ses grands yeux noisettes que vous avez placé Anna Tawai en 88e position. La star que le public a pu découvrir dans le film Le Diable s'habille en Prada fait craquer le monde entier, surtout les Américains, qui voient en elle la future Julia Roberts. Je suis désolée, je sais qu'il est très tard. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Retourne-toi ! Avec ce visage de poupée, les hommes ne rêvent que d'une seule chose, retomber en enfance. Et on les comprend. C'est en République tchèque qu'est née l'une des femmes les plus sexy du monde et elle se trouve en 87e place. Découverte dans son pays lors d'un casting à 16 ans, Petra Nemkova fera quelques années plus tard la couverture d'un magazine de sport américain spécialisé dans les maillots de bain, une véritable consécration. Mais ce qui l'a rendue célèbre dans le monde entier, c'est la tragédie du tsunami en décembre 2004. En vacances en Thaïlande, elle a perdu son fiancé et s'en est sortie miraculeusement. Depuis, Petra Nemkova mène un combat avec sa fondation Happy Earth, qui s'occupe de créer des écoles pour les enfants victimes de catastrophes naturelles. Comme quoi, on peut être aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. En 2004, elle séduit le Bachelor et cette année, vous êtes toujours aussi accro à la jolie animatrice Karine Ferry puisque vous l'avez placée à la 86e place de notre classement. Ancien mannequin, elle fait les beaux jours de la radio en animant aux côtés de Nikos la matinale sur Énergie. Elle fut la compagne de Grégory Lemarchal jusqu'à son décès. Depuis, elle participe activement aux activités de l'association qui lutte contre la mucoviscidose, maladie qui a emporté l'amour de sa vie. Ladies and gentlemen, the always lovely Emma Watson. En 10 ans, la jeune actrice britannique Emma Watson s'est imposée comme l'un des piliers de la saga Harry Potter aux côtés de Daniel Radcliffe. La ravissante petite fille de 11 ans, que l'on découvrait avec tendresse en 2001 dans le premier opus Harry Potter à l'école des sorciers, est devenue sans conteste l'une des stars les plus adulées de sa génération.
La petite Emma Watson n'en finit pas de grandir et de devenir une femme qui ne cesse de hanter les fantasmes les moins avouables de tous les hommes sensibles au charme de la Lolita magicienne. Depuis qu'elle s'est coupée les cheveux, elle est de plus en plus irrésistible. Élémentaire, ma chère Watson. Révélée au grand public grâce à son duo Confessions Nocturnes qu'elle partageait avec James, Vita enchaîne les tubes. Avec sa peau couleur miel et son sourire ravageur, la chanteuse n'est plus un cœur à prendre car elle vient juste de convoler. Et oui, désolé messieurs. De la cheerleader de Heroes, place à une sublime jeune femme fatale à la 83e place de notre classement. Notre jolie a bien grandi et compte bien le montrer au monde entier. Hayden Panettiere est devenue une femme qui enflamme le tapis rouge avec des robes qui mettent en valeur des jolies jambes galbées et une taille de guêpe. Fini les cheveux longs, Hayden Panettiere a opté pour une coupe à la garçonne qui la rend diablement sexy. Mélanie Laurent, 27 ans, est l'une des actrices les plus sollicitées de sa génération. Artiste polyvalente à la bouille d'ange et à la voix rauque, la jeune femme a conquis plus d'un réalisateur, dont le grand Quentin Tarantino pour Inglourious Basterds, qui la voit comme sa nouvelle muse. La jeune femme allie élégance, discrétion, glamour ou allure bohème. Un sens du style qui a totalement conquis récemment le styliste Ralph Lauren. Actrice accomplie et bourreau de travail, Mélanie Laurent se lance dans la chanson et devrait très prochainement sortir un album. Direction la Martinique, où est née notre nouvelle star, la princesse du R&B et reine de la sensualité, et vous l'avez élevée à la 81e place de notre classement. Pourtant timide, Shime n'hésite pas à montrer un corps parfait dans ses clips. Son charme et son sourire ravageur ont fait d'elle une star incontournable en France. Provocation est le maître mot pour définir celle que vous avez placée à la 80e place de notre classement, Lady Gaga. Fascinée par les années 70, la diva porte des cheveux blonds peroxydés, chante en juste au corps et cuissarde et revendique une liberté totale. L'exubérante et sulfureuse chanteuse la plus influente de sa génération vend des millions d'albums à travers le monde. Ses tenues extravagantes font la une de tous les magazines. Dernière provocation en date, elle porte lors des MTV Music Awards une robe entièrement confectionnée en viande. Son succès est exceptionnel, à tel point que son cas est enseigné à l'Université de Caroline du Sud. Nom du cours, Lady Gaga et la sociologie de la célébrité. Tout un programme. C'est l'une des reines françaises du rap et du R&B. Elle adore voir le monde en haut avec sa copine Diams. Et du haut de sa 84e place, elle a accepté de venir passer un petit moment avec moi. Voici la très charmante Vita. Vita, tu fais partie des 100 stars les plus sexy du monde. Ça te fait quoi? Je suis contente d'être dans le classement déjà. Après, encore une fois, c'est pas ce que j'essaye de renvoyer comme image dans ma musique et dans mes clips, mais je suis super touchée d'être dans le classement. Après, qu'on soit dans le bas du classement ou en haut, c'est déjà bien d'y être, donc c'est cool. C'est
c'est vrai que j'ai toujours voulu avoir une image glamour dans mes clips et jamais vulgaire, jamais trop sexy non plus. Après, bon, bah, si je dégage un petit peu ça, c'est malgré moi. Mais voilà, j'essaye d'être féminine, d'être ce que je suis, d'être élégante. Pour moi, une femme doit être classe et élégante, mais jamais vulgaire et provoque. C'est le truc que j'essaye d'éviter au maximum. Et pour toi, c'est quoi la différence entre sexy et vulgaire ? Pour moi, c'est la subtilité, en fait, la limite. C'est-à-dire que sexy, c'est subtil, c'est suggestif. Et vulgaire, c'est too much, quoi. C'est bling bling, trop de paillettes, trop de voyance, tout ça. Non, voilà, j'essaye d'être discrète, en fait. Discrète, ouais. Tu es située entre Karine Ferry et Shaim. Perso, okay. Laquelle tu préfères ? Écoute, pour avoir croisé les deux, que je trouve très jolies, d'ailleurs, je trouve que Shaim, c'est vraiment une jolie fille. Elle est vraiment sexy, cette fille, en fait. Donc, peut-être plus Shaim. Mais je trouve que Karine Ferry est très classe, très mignonne aussi. Shaim, c'est une concurrente, un peu, toi, non ? On nous dit souvent concurrence. Après, on ne fait pas exactement le même style de musique. Mais c'est vrai que, voilà, on fait partie des jeunes artistes pop, R&B, connus en France. Et voilà, c'est une fille que je respecte et que j'aime bien et que je trouve très jolie. Donc là, tu prépares ton troisième album ? Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Ben, je peux vous en dire que c'est bien avancé. Je suis en pleine écriture en ce moment. Je serai en studio tout l'été. Ça va être une sortie pour la fin d'année et ça va être très, très pop, R&B, mais très musical, avec quand même beaucoup de piano, enfin tout ce que j'aime. Et voilà, je suis en train de l'écrire, donc je me suis à fond dedans. Je suis une fille pas comme les autres. Une favorite pour ce classement 2011 ? Il y a plein d'actrices que je trouve très belles et une actrice particulièrement américaine, enfin d'origine cubaine je crois, qui est Eva Mendes, que je trouve très sensuelle. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage, donc pour moi ce serait Eva Mendes, une des plus belles femmes au monde à mon sens. C'est vrai que je trouve que tu lui ressembles un peu. Non, c'est pas vrai, je suis flattée en tout cas. Merci Vita. Merci à toi. Quelles jeunes femmes ont réussi à se hisser entre la 79e et la 65e place de notre palmarès ? La réponse est maintenant. Attention les yeux. Blonde, riche et sexy. À la 79e place, la jet-setteuse Paris Hilton. Connue grâce à une sextape diffusée dans le monde entier, cette croqueuse de diamants est une véritable femme d'affaires. Tout ce qu'elle touche se transforme en or. Parfums, chansons, lignes de vêtements ou créations de bijoux. L'héritière la plus connue au monde fait beaucoup parler d'elle par toutes ses frasques. Mais lorsqu'on est sexy comme elle, on lui pardonne tout. Véritable atout charme de la Maison Blanche, Michelle Obama est classée 78e de notre classement. Après avoir été élue l'une des plus belles femmes au monde par le magazine People et souvent félicitée pour ses jolies tenues, Michelle Obama rivalise avec des actrices et mannequins bien plus habituées à ce genre de classement. L'épouse de l'homme le plus puissant du monde mesure 1m80 d'élégance et de glamour. Ancien membre des Destiny's Child auprès de Beyoncé, Kelly Rowland rejoint la 77e place de notre classement. Après des années d'absence des charts, la chanteuse revient au devant de la scène grâce à sa collaboration avec David Guetta. Un retour en force et en sexy attitude. Avec sa peau dorée, elle montre une plastique de rêve. Son prochain album est en préparation. Sur la une, Sandrine Quétier est l'une des plus pétillantes animatrices. Acolyte de Nikos Aliagas dans 50 Minutes Inside, les téléspectateurs sont de plus en plus nombreux et on se demande bien pourquoi. Le charme de Sandrine y est certainement pour quelque chose, non ? Maman de deux enfants, la jolie brune est une femme heureuse qui plaît autant aux hommes qu'aux femmes.
Depuis que l'ex-star des podiums devenue chanteuse a changé de voix pour devenir la très chic first lady française, Carla Bruni Sarkozy fait la une de nombreux magazines qui voient en elle la digne héritière de Jackie Kennedy. Avec ses mensurations proches de la perfection, 86, 61, 89, Carla Bruni Sarkozy, toujours aussi sublime à 40 ans passés, charme tous les plus grands hommes politiques du monde entier. Autant dire que c'est le président qui doit être fier de sa dame de cœur. Avant d'aller plus loin dans la découverte de ce palmarès, laissez-nous attiser un peu votre curiosité. En effet, grâce à vos votes, nous avons pu établir le portrait robot de la femme la plus sexy 2011 et connaître les caractéristiques qui vous séduisent. Alors, brune, blonde, rousse, comment les aimez-vous? Eh bien pour vous, les brunes ne comptent pas pour des prunes. D'Eva Green à Sophia Issaidi, de Katy Perry à Penelope Cruz, elles ont la palme de la brunatitude. Les yeux clairs vous font littéralement chavirer. Mélanie Laurent, Megan Fox ou encore Liv Tyler. Toujours dans le visage, messieurs, vous rêveriez de vous faire embrasser par une bouche bien charnue, comme Angelina Jolie, Noémie Lenoir ou encore Jessica Alba. En termes de corps, les femmes de votre classement sont principalement pulpeuses. Fini les brindilles comme Kate Moss, vous avez voté majoritairement pour les Monica Bellucci, Beyoncé ou encore Scarlett Johansson. Enfin, grande ou petite? Eh bien, même si les top modèles semblables à des lianes longilines ne vous déplaisent pas, et si vous avez fait figurer dans ce palmarès plusieurs jeunes femmes approchant ou dépassant même le 1m80, comme Karolina Kurkova ou la flamboyante Nicole Kidman, la moitié des stars de ce classement ne dépasse pas le 1m70, comme Jennifer 1m58, Courtney Cox 1m65 ou Kylie Minogue 1m54. Donc on récapitule. Vous les aimez brunes, avec des yeux clairs, une bouche bien charnue, des formes généreuses et de petite taille. Vu comme ça, je ne sais pas si vous fantasmez toujours. Venue d'un pays froid comme la Suède, celle qui réchauffe le cœur des hommes est Victoria Silvstedt. Avec son 1m80, ses jambes interminables, sa crinière étourdissante, son décolleté des plus généreux et sa bouche pulpeuse, Victoria représente le sexe symbole. Elle a même été élue playmate de l'année en 1997 d'un magazine de charme. Mais blonde ne veut pas dire forcément écervelée. Cette ancienne Miss Suède est aussi une redoutable femme d'affaires. Présentatrice de charme auprès de Christophe de Chavannes dans La Roue de la Fortune, elle co-présente la même émission en Turquie et en Italie. La plastique de Vanessa Demouy en fait rêver plus d'un. À 36 ans, l'ancienne héroïne de Classe Mannequin est sexy et jolie à la fois. Alors qu'elle a prêté il y a des années son corps de rêve pour la publicité d'une marque de lingerie, elle n'a pas hésité aujourd'hui une seconde à poser seins nus pour sensibiliser le public à la lutte contre le cancer et à l'importance du dépistage. C'est son mari, le comédien Philippe Lelouch, qui doit être fier d'elle. Dans les années 90, la blonde platine aux lèvres rouges est désormais une star planétaire. Ancien leader du groupe No Doubt, elle chante avec succès des mélodies extravagantes, mêlant hip-hop et rock. Son style vestimentaire déjanté fait de la chanteuse peroxydée une icône de la mode. Gwen Stefani n'hésite pas à jouer de ses charmes dans ses clips en mettant en avant son incroyable ventre plat. Mariée au chanteur Gavin Rosdahl, mère de famille comblée et businesswoman accomplie, qui peut résister au charme de Miss Stefani? Certainement pas vous, car elle se situe 72e de notre classement. L'ancienne animatrice météo de la chaîne cryptée ensoleille notre classement. Actrice reconnue grâce à sa prestation dans le film Adèle Blanc-Sec de Luc Besson, Louise Bourgoin est sublime, intelligente, pleine d'humour et surtout talentueuse. Mais c'est sur une couverture d'un magazine français que Louise a su montrer son côté sex and rock'n'roll. Pas étonnant qu'elle soit 71e.
direction le Brésil où est né l'un des mannequins les plus connus au monde, Adriana Lima. Avec ses yeux bleus de chat et sa démarche féline, Adriana fait l'objet de tous les fantasmes. Elle est devenue une star mondiale grâce à la campagne publicitaire du Super Bowl en 2008. Sa poitrine aujourd'hui est estimée à 2 millions de dollars grâce à ce soutien-gorge orné de diamants et de saphirs d'une grande marque de lingerie américaine dont elle est l'égérie. Mais si elle rend dingue tous les hommes de la planète avec son corps parfait et sa beauté à couper le souffle, elle n'est plus un cœur à prendre car elle est mariée à une star du basket américain, Marco Jarić. Peut-être l'une des actrices françaises qui a le plus fort capital sympathie. Connue grâce à la mythique série Un gars, une fille, Alexandra Lamy a su envoûter les téléspectateurs par ses yeux bleus. 7 ans après leur coup de foudre, les chouchous et loulous préférés des Français se sont dit oui pour notre plus grand plaisir. L'animatrice au décolleté vertigineux se retrouve à la 68e place de notre classement. Cécile de Ménibus a su pendant des années trouver la méthode pour charmer ses invités avec son acolyte Coé sur TF1. Plastique très attirante, grande gueule, provocante, humour débordant, Cécile de Ménibus travaille aujourd'hui aux côtés de Jean-Marc Morandini. D'une beauté naturelle et fraîche, elle a longtemps été considérée comme la petite fiancée des Français. À 36 ans, Flavie Flamand n'a jamais été aussi belle et sexy. D'ailleurs, elle n'a pas hésité à poser en tenue d'Ève pour un magazine français pour votre plus grand plaisir, messieurs. Désormais l'une des reines du petit écran américain, mais elle était l'un des tops les mieux payés au monde. Tyra Banks deviendra dès l'adolescence un mannequin incontournable. Elle sera la première femme de couleur à représenter la célèbre marque de lingerie américaine. Vogue, GQ, Elle, Sport Illustrated feront d'elle un super top modèle. Son corps de rêve métissé fait fantasmer tous les hommes de chaque continent et c'est certainement la raison qui lui vaut la 66e place de notre classement. Si vous deviez vous retrouver sur une île déserte, ce serait certainement avec Evangeline Lilly puisque vous l'avez placée à la 65e place des stars les plus sexy. Révélée par la série Lost, cette actrice au visage sublime et aux yeux en amande fait des ravages auprès des hommes. Lorsqu'elle ne joue pas les rescapés d'un célèbre avion, c'est sur les couvertures des magazines qu'elle nous dévoile une plastique à réveiller vos instincts, messieurs. Et sur les tapis rouges, elle a le don d'électriser les foules. C'est sorti prendre l'air parce que la température commence à monter. Carla Bruni, 75e place. Pour son président de mari, elle est forcément la plus belle. Mais la top modèle et chanteuse a pourtant trouvé des rivales dignes de se classer devant elle. Alors, qui avez-vous préféré à notre première dame? Mon petit doigt me dit que la concurrence va être rude. Regardez plutôt. Cette jeune Lolita est une véritable tornade ambulante. Son exquise anatomie attise les regards des hommes. Les paparazzi ne manquent pas une seule de ses apparitions. Accusée à plusieurs reprises de conduite en état d'ivresse et de consommation de drogue, Lindsay Lohan se voit alors attribuer un bracelet de surveillance. Mais même ce petit objet électronique accroché à la cheville la rend terriblement sexy. La diablesse rousse aux yeux verts qui a vécu une grande histoire d'amour avec la DJ Samantha Ronson est un véritable fantasme pour les hommes et les femmes. Direction le Maroc et précisément Casablanca où a vu le jour Sofia et Saïdi.
la starlette est médiatisée en 2003 grâce à l'émission Star Academy. Elle n'hésite pas à mettre sa plastique de rêve et ses jambes parfaitement dessinées à toutes ses apparitions. Elle interprète durant 3 ans la reine d'Égypte, Cléopâtre, pour la fameuse comédie musicale. Aujourd'hui, Sophia se sent prête pour un nouveau départ et sort un album intitulé « Si c'est un jeu ». Après avoir livré un striptease torride devant Hugh Laurie pour la série Dr House dans laquelle elle incarne le docteur Lisa Cuddy, la charmante Lisa Edelstein, très belle comédienne américaine de 44 ans, est classée 62e. Que ce soit en blouse blanche, en robe de soirée sur les tapis rouges ou dans les magazines du monde entier, l'américaine aux yeux clairs laisse entrevoir un corps parfait. Elle n'a rien à envier aux jeunes stars montantes d'Hollywood avec ses formes sublissimes. Et ce ne sont sûrement pas les hommes qui résistent au charme de cette magnifique brune. C'est en 61e position que l'on retrouve la sexy Estelle Denis. Ne privant pas ses téléspectateurs de ses jolis décolletés, l'animatrice de 100% Mag a fait le buzz lors de la défaite des Français en qualification de l'Euro 2006. En effet, son compagnon Raymond Domenech l'a demandé en mariage devant la France entière. À ce jour, aucune date n'est fixée. Les courbes de la jolie brunette n'ont laissé personne indifférent puisque vous l'avez placée à la 60e place de notre classement. Star de la télé-réalité américaine, Kim Kardashian est surtout connue grâce à une sextape qui a fait le tour du monde. Mais sa marque de fabrique reste son postérieur impressionnant qui a fait couler beaucoup d'encre et fait l'objet de tous les fantasmes. Sa poitrine généreuse n'est pas en reste. Récemment, elle a fait la couverture du célèbre magazine avec le lapin. Une consécration. La première Lolita des années 90 a parcouru bien du chemin depuis sa première chanson « Baby One More Time ». Après ses frasques trash, notamment lorsqu'elle s'est rasé la tête ou encore lorsqu'elle a perdu la garde de ses enfants devant les caméras du monde entier, c'est un retour fracassant que nous a livré cette tornade blonde. Place à une femme sexy, retrouvant sa crinière de feu et surtout son sex appeal qu'elle n'hésite pas à montrer dans ses derniers clips. Après un succès planétaire avec son dernier album Circus, elle est en pleine préparation de son nouvel opus. Toutes les femmes du monde rêvent d'être à sa place et les hommes la trouvent terriblement sexy. Qui fredonnait le mythique Joe le Taxi vit une véritable divine idylle avec son mari, le séduisant rebelle Johnny Depp. Un vrai paradis. Ce petit brin de femme à la voix fluette ne s'est pas contenté d'être chanteuse. Le cinéma lui ouvre les bras et elle cartonne auprès de Romain Duris dans L'Arnaqueur. Mais c'est sur les tapis rouges qu'elle est la plus sublime. Toujours à la pointe de la mode, elle est renversante. À Nice, où elle a vu le jour que notre nouvelle star la plus sexy est classée 57e. Maman comblée, artiste confirmée, elle a définitivement laissé derrière elle l'adolescente triomphante de la première édition de la Starac. Fini les rondeurs de ses 20 ans et place à une jeune femme de 28 ans sublime, mince et sexy.
dans la série Alias que Jennifer Garner se fait connaître du grand public. Depuis, son regard pétillant et ses fossettes ne passent plus inaperçus à Hollywood. Ses apparitions sur le tapis rouge sont un véritable enchantement pour les yeux. 1m75 de charme pour 51 kg de sex appeal. Madame Ben Affleck est aussi une heureuse maman de deux adorables enfants. Absente depuis un moment des grands écrans, elle est pressentie pour jouer dans le film Butter aux côtés de Hugh Jackman. Le tout Hollywood succombe à sa beauté et à son teint de porcelaine, et vous aussi, puisque vous avez placé Gwyneth Paltrow à la 55e place de notre classement. L'actrice oscarisée pour son rôle dans Shakespeare in Love fait craquer les plus beaux mâles de cette planète. Brad Pitt, Ben Affleck ou encore Chris Martin, le chanteur du groupe Coldplay qu'elle a épousé. Après le plaisir des yeux, elle pourra régaler vos oreilles car Gwyneth se lance dans la musique et compte sortir un album. Le striptease était passé de mode, Dita Van Teese le remet au goût du jour. Avec ses formes parfaites, la brune au teint diaphane fait ressurgir les fantasmes de tous les hommes sur cette planète. Cette femme aux jolies formes se déshabille au nom du burlesque. En digne héritière de la pin-up des années 30 Betty Page, chaque vêtement retiré devant son public fait apparaître un corps parfait. À 38 ans, la plus glamour des pin-up internationales n'en finit plus de prêter sa plastique irréprochable aux annonceurs du monde entier. Alors mesdames, si vous voulez faire plaisir à votre mari, il ne vous reste plus qu'à vous effeuiller comme Dita. Après avoir conquis le cœur du cinéma français et notamment celui de Guillaume Canet, Diane Kruger s'illustre à Hollywood où le succès est immédiat. Tarantino la sublime dans le rôle d'une espionne allemande dans Inglourious Basterds. Avec son teint de porcelaine, ses magnifiques yeux bleus et un physique de rêve, l'ancien mannequin a fait succomber l'acteur de Fringe, Joshua Jackson. Petite nouvelle dans le PAF, on retrouve Charlotte Lebon. Nouvelle Miss Météo de l'émission Le Grand Journal, cette Canadienne au visage de poupée a été mannequin pendant des années. La nouvelle bombe de la chaîne cryptée, c'est mettre son physique de rêve au service de la pluie et du beau temps. L'animatrice aux yeux verts ensoleille ses invités, mais pas seulement, car vous l'avez classée 52e dans ce palmarès des femmes les plus sexy. On dit souvent que c'est le plus bel âge pour une femme, et Nicole Kidman le prouve. À 43 ans, la comédienne australienne est plus belle que jamais. Avec sa crinière naturellement flamboyante, cette rousse incendiaire du haut de son 1m80 n'a rien à envier au top modèle. Les aventures romanesques de Satine dans Moulin Rouge l'installent dans le peloton de tête des icônes de beauté. La quarantaine éblouissante, Nicole Kidman apparaît radieuse auprès de son mari, le chanteur de country Keith Urban. Quand le tennis est associé au mot sexy, cela donne Ana Ivanovic. Actuellement 23e joueuse mondiale, la jeune Serbe hérite du titre de la 50e place des stars les plus sexy de notre classement.
La jolie tenniswoman brille autant par ses performances sur terre battue que par sa plastique irréprochable sur papier glacé. Jamais autant d'hommes ne s'étaient intéressés au tennis. Avec des courbes aussi admirables, Anna a posé pour la couverture d'un magazine américain spécialisé en maillot de bain. Un véritable délice pour les yeux. Anna a un des coups droits les plus ravageurs, mais c'est son sourire qui fait le plus de dégâts. C'est en Belgique que nous partons pour retrouver notre 49e star la plus sexy, Virginie Efira. À 33 ans, la plus française des Belges qui a animé la Nouvelle Star pendant 2 saisons est désormais comédienne à temps plein. Pétillante et énergique, Virginie est sublime sur les photos des magazines. Dernièrement, elle a déclaré que son plus grand fantasme est de tomber dans les bras d'un plombier. Donc si vous correspondez à cette demande, appelez le 06. Direction l'île paradisiaque de La Réunion pour retrouver notre 48e femme la plus sexy, Valérie Beg. Devenue célèbre grâce à ses photos controversées suite à son élection Miss France en 2008, elle est aujourd'hui animatrice télé. Toujours aussi sexy, la belle Nayade file le parfait amour avec le nageur Camille Lacour. Alors là, surprenant, non? Moi qui adore le tennis, j'aurais mieux placé la ravissante Anna Ivanovic. Même si elle me dépasse d'un centimètre avec son 1m83. Mais bon, c'est le public français qui décide, et quand il s'agit de sexitude, comme dirait Ségolène Royal, on peut s'attendre à tout. Même avoir Bara Faili, Madame Leonardo DiCaprio, se faire coiffer au poteau par Catherine Hegel de Grey's Anatomy. Quelle bagarre! On se croirait au milieu d'une mêlée, en plein France All Black. Ah, c'est bon ça! Presque 40 ans, l'actrice, chanteuse et mannequin américaine d'origine ukrainienne Mila Jovovich n'a rien perdu de sa superbe, bien au contraire. Si elle change souvent de style, elle reste néanmoins fidèle à son tempérament de feu. Muse de Luc Besson dans Le Cinquième Élément, elle a fait une pub très haute pour une carte de crédit. Et à la vue de ces images, je suis sûre, messieurs, que vous crevez d'envie d'aller vous la procurer. Je parlais de la carte bleue, bien sûr. La touche charme du journal télévisé de TF1 se positionne en 46e place. L'une des présentatrices chouchou des Français se transforme en sexy maman car elle vient de mettre au monde un petit garçon prénommé Elliot. L'un des joyaux de la couronne britannique est Kelly Brook. Grâce à ses débuts à la télévision en tant qu'animatrice, les Anglais en sont devenus accros. Lorsqu'elle pose en petite tenue pour les calendriers, elle dévoile ses formes généreuses. Élue à plusieurs reprises femme la plus sexy du monde, la beauté parfaite de Kelly Brook fait écarquiller les yeux des hommes et envier ceux des femmes. Normal qu'elle se retrouve à la 45e place. La touche charme de la série Gossip Girl, la divine sexy Black Lively, est 44e. Ses jambes fuselées font toujours sensation sur les tapis rouges. À 23 ans, la jolie blonde en affole plus d'un. Elle est de nouveau un cœur à prendre. Messieurs, dépêchez-vous. La pompe sexy va faire beaucoup parler d'elle. Qu'elle soit de sortie ou en couverture de mode, Lively est l'objet de toutes les attentions et de toutes les tentations. Fait les beaux jours de la petite chaîne qui monte, mais c'est à la 43e place que la bombe de l'info ensoleille notre classement. Élue femme la plus sexy du monde par un magazine américain, Melissa Theriault est la fierté de l'Hexagone. Avec ses yeux clairs, elle a su ensorceler les téléspectateurs, de plus en plus nombreux présents devant leur poste. Même si elle n'aime pas cette étiquette, la sublime journaliste au physique de mannequin est toujours après une grossesse aussi divine, et ce n'est pas son mari Jamel Debbouze qui nous contredira.
L'ancien mannequin devenu comédienne Charlize Theron se situe à la 42e place de notre classement des femmes les plus sexy 2011. Découverte en Afrique du Sud, cette blonde sexy d'1m80 qui rêvait d'être danseuse fait une carrière internationale en tant que mannequin. Ses yeux verts et son sourire parfait sont photographiés par les plus grands et dévoilent sur chaque photo un corps parfait. Sa publicité pour un parfum montre notre star sous toutes ses coutures et nous, on adore. Le cinéma lui ouvre ses portes et Charlize Theron remporte en 2004 l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation d'une prostituée meurtrière en série dans le film Monster de Patty Jenkins. Afin de pouvoir jouer la tueuse en série, elle a dû totalement changer d'apparence physique et c'est sans fard et avec quelques kilos de plus qu'elle joue magistralement dans ce film. Mais sa silhouette longiligne et ses jambes galbées enflamment toujours autant les tapis rouges. Charlize représente à merveille le glamour made in Hollywood. Such a great honor. Direction Israël, où est né l'un des plus beaux mannequins du monde. La sublime Bar Refaeli est classée 41e. Elle commence le mannequinat à l'âge de 11 ans. Le corps sexy et voluptueux de Bar Refaeli est demandé dans le monde entier. Avec son 1m74, le top modèle a défilé pour les plus grands et a fait de nombreuses couvertures où ses formes parfaites en ont fait craquer plus d'un. N'est-ce pas, Leonardo ? Qui n'a jamais rêvé de jouer au docteur avec Katherine Heigl ? Vous devez être nombreux puisque vous avez placé l'héroïne de la série Grey's Anatomy en 40e position. Il faut dire que la belle possède une plastique des plus avantageuses, mesurant 1m77 pour 58 kg. Le prestigieux magazine Vanity Fair a proclamé cette américaine d'origine allemande et irlandaise blonde la plus sexy de l'année. Allez, silhouette parfaite, Nicole Scherzinger est irréprochable. Et ce n'est pas une surprise si elle se retrouve à la 39e place de notre classement. La chanteuse du groupe Pussycat Dolls, âgée de 31 ans, avoue avoir un béguin pour Halle Berry. Mais c'est avec l'ex-champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, qu'elle vit aujourd'hui. En 38e position, on retrouve Stacy Ferguson, alias Fergie. La chanteuse des Black Eyed Peas n'a jamais eu peur de mettre sa plastique de rêve au service de sa musique. Et ça marche. Des millions d'albums vendus avec son groupe et une carrière solo qui explose. Son sex appeal n'a fait qu'accroître depuis qu'elle a rencontré l'acteur Josh Duhamel. Vous l'avez adoré dans Slumdog Millionaire, mais ce que vous aimez encore plus, c'est sa plastique de rêve. En 37e position, voici la divine indienne, Freda Pinto. Beauté atypique et épicée, l'ex-top modèle fait rêver les femmes et fait fantasmer tous les hommes. Son regard miel et son sourire ravageur enflamment depuis le succès du film multi-oscarisé « Les papiers glacés des magazines ». Que ce soit sur les podiums des défilés haute couture ou sur les red carpets, cette beauté caramel envoûte le public. Amoureuse de son partenaire Dev Patel, elle est pressentie pour jouer aux côtés de Daniel Craig, la nouvelle James Bond girl. L'agent 007 n'a qu'à bien se tenir avec dans ses bras cette tornade brune. First day.
Avec comme père Steve Tyler, leader d'Aerosmith, et une mère bébé Buell, ancienne playmate, on imagine sans peine d'où vient sa beauté envoûtante et son air coquin. Son visage angélique fait succomber de nombreux réalisateurs. Ce n'est donc pas un hasard si Liv Tyler a incarné l'elfe Arwen dans Le Seigneur des Anneaux. Les grandes marques se bousculent également. Et Jerry de Gap, G-Star ou encore dernièrement Givenchy, Liv Tyler arrive à nous envoûter avec ses grands yeux bleus et sa bouche pulpeuse. Elle est jeune, originale, belle et très ambitieuse. À 26 ans, Katy Perry a mis le monde à ses pieds, le temps d'un gros tube à I Kissed a Girl. Fille de pasteur, anciennement chanteuse de musique chrétienne, il n'y a pas si longtemps, Katy criait sur tous les toits que son rêve était d'embrasser Scarlett Johansson. La pétillante chanteuse américaine, dotée d'attributs renversants, a été élue cette année la femme la plus haute. Pas étonnant donc qu'elle se retrouve en 35e position. Provocatrice et sexy en diable, elle apparaît totalement nue sur une gigantesque barbe à papa pour la pochette de son dernier album. Mais la brune incendiaire n'est plus un cœur à prendre car elle vient de convoler avec l'acteur anglais Russell Brand. Nous voici de retour sur le plateau des 100 stars les plus sexy de 2011 dans cette magnifique salle du Moulin Rouge à Paris. Et je vous sens terriblement impatient de connaître la suite de notre palmarès. Alors, même si j'ai envie de vous taquiner, je ne vais pas vous faire attendre davantage. D'autant que tout à l'heure, j'aurai le privilège de recevoir à nouveau l'une de nos lauréates, une habituée terriblement séduisante. Mais je ne vous en dis pas plus. Regardez. C'est à la 34e place que l'on retrouve l'actrice préférée des Français, Sophie Marceau. L'actrice prouve qu'à 43 ans, elle n'a rien perdu de sa beauté. D'ailleurs, elle se bonifie d'année en année. Sophie Marceau incarne toujours dans la mémoire collective Vic, l'adolescente romantique et rebelle de la boom. Avec sa silhouette longiligne, son charme ravageur et son regard pétillant, elle fait toujours autant tourner les têtes. Et ce n'est pas son compagnon Christophe Lambert qui vous contredira. Sa frimousse boudeuse, ses allures de femme-enfant et sa féminité naturelle placent Virginie Ledoyen, 33e des stars les plus sexy. Star outre-Atlantique depuis le film La Plage en 2001 aux côtés de Leonardo DiCaprio, la petite Frenchie a su faire craquer le monde entier. Elle aurait presque l'air sage avec sa moue boudeuse et sa silhouette enfantine. Pourtant, le top à la carrière exceptionnelle est rebelle et survoltée. Kate Moss est le top le mieux payé au monde malgré ses excès en tout genre. Toujours aussi sexy, les grandes marques se l'arrachent. Yves Saint Laurent, Longchamp, Burberry ou encore Topshop pour laquelle elle dessine une collection de vêtements. Élue femme la mieux habillée à 36 ans, la brindille est toujours aussi sulfureusement sensuelle. On peut être belle et sexy et mettre son corps au service des bonnes causes. Les stars se dénudent de plus en plus pour mettre en avant des associations qui leur tiennent à cœur. La brindille que l'on vient juste de découvrir ne se contente pas d'être hyper sexy. L'an dernier encore, Kate Moss a accepté de se déshabiller pour des photos dont les gains étaient destinés à la République d'Haïti, dévastée par le séisme de janvier 2010. Trois autres stars se sont dévêtues pour l'association PETA qui lutte contre la maltraitance sur les animaux. Leur slogan, plutôt à poil qu'en fourrure. Les campagnes publicitaires de la bombissima Eva Mendes, de la stripteaseuse Dita Ventis ou encore Charlize Theron ont eu beaucoup de succès.
Autre star, autre cause. Jennifer Aniston, que l'on croisera tout à l'heure dans les 15 premières, avait franchi le pas il y a quelques années. Sa photo dénudée a été mise en vente sur Internet et les bénéfices des enchères ont été reversés à l'association Red Hot AIDS qui lutte contre le sida. Kylie Minogue, bien placée elle aussi dans votre sélection, a pour sa part participé à une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein au Royaume-Uni, dans lequel elle pose presque nue, simplement vêtue d'un tissu noir et blanc. Comme quoi, on peut être aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Faudra aller jusqu'en Allemagne pour découvrir la 31e femme la plus sexy, Heidi Klum. Cette beauté blonde d'1m78 est le glamour incarné, que ce soit sur les podiums où elle défile en lingerie avec ses ailes, en photo sur les couvertures des magazines du monde entier ou dans le dernier clip de son mari, le chanteur Seal. Sexy en diable, avec ses jambes parfaites et sa jolie poitrine, un rien l'habille. Après 18 ans de carrière dans le mannequinat, Heidi Klum prouve que même après avoir eu 3 enfants, elle reste toujours aussi sublime et sexy. En véritable tigresse provocante, quoi de plus normal que de retrouver Christina Aguilera en 30e position de notre classement. Cette princesse de la pop est la quintessence même de la bombe fatale. Après avoir conquis le monde avec son tube Jenny in a Bottle, il faudra attendre 2002 avec son album Stripped qui fera d'elle une bombe sexuelle. Le sex appeal ne repose pas uniquement sur son corps de déesse, sa voix sensuelle réveillerait les plus insensibles. Aujourd'hui, nouveau style, nouveau sex-attitude en pin-up des années 50, elle n'a jamais été aussi envoûtante. Messieurs, cette sublime blonde est de nouveau célibataire. À 45 ans, Emmanuelle Béart n'a rien perdu de sa fraîcheur et de sa grâce. Elle est d'une beauté à couper le souffle. Elle aime montrer son corps qui frôle la perfection. En 2003, elle pose pour la couverture du magazine Elle, avec pour seul accessoire un string, mais dans les cheveux. Les ventes exploseront. Elle est l'actrice française qui fait le plus fantasmer les hommes et qui fait des jalouses auprès des femmes. Cela fait plus de 20 ans qu'elle déchaîne les foules. Kylie a débuté sa carrière en devenant une ado star de la chanson en passant de la jeune ingénue à un sex symbole. Kylie Minogue reste l'une des femmes les plus sexy au monde, aussi bien dans ses clips que sur les tapis rouges. Et malgré ses 42 ans et son 1m54, elle est toujours aussi sublime. Brit Awards en 2003, Justin Timberlake lui touche même les fesses. Quel vénard! La mini bomba file aujourd'hui le parfait amour avec Andrés, un mannequin espagnol de 10 ans son cadet. Encore un qui doit faire des envieux. Noémie Lenoir est
considérée comme l'une des plus belles femmes du monde. Ses jambes n'en finissent plus d'émerveiller. Ce n'est donc pas un hasard si vous l'avez placée à la 27e place des femmes les plus sexy. Avec ses yeux couleur miel et sa bouche pulpeuse, notre mannequin français fait les couvertures des plus grands magazines. Les courbes de cette sirène en valent le détour. Cette jeune beauté aphrodisiaque met le monde à ses pieds. Égérie d'une grande marque de cosmétiques, Noémie Lenoir sait mettre en avant ses mensurations parfaites. Séparée du footballeur Claude Makélélé, Noémie n'a jamais été aussi sexy depuis qu'elle est maman. Direction le Mexique. Avec ses courbes généreuses, Salma Hayek a su mettre à ses pieds le tout Hollywood. Elle en a même fait un atout. Petite par la taille mais immense par le charme, Salma s'est jouée de ses atouts avec une adresse diabolique. La comédienne de 42 ans s'est soulignée sa poitrine de façon chic et sexy sans tomber dans le vulgaire. Un atout de séduction qui a fait succomber son mari, l'homme d'affaires François-Henri Pinault, le père de sa petite fille. Mais c'est sa chute de rein qui a fait parler d'elle lors d'une scène dans le film Wild Wild West. En plus d'être une des femmes les plus sexy du cinéma, Salma est également une grande productrice, notamment de la série Ugly Betty ou du film Frida. En 25e position, voici la plus célèbre des cougars, Demi Moore. Toujours aussi belle et sexy, l'actrice américaine file le parfait amour avec son craquant mari, Ashton Kutcher, de 16 ans son cadet. Elle n'hésite pas à mettre sa plastique de rêve au service des personnages qu'elle incarne dans ses nombreux films. Que ce soit dans le film Striptease ou encore Charlie's Angels. À 48 ans, elle fait monter la température en affichant un corps à faire pâlir toutes les femmes. Oh, damn, this is awesome. They got us a stripper too. Et non, messieurs, pas de striptease pour Jessica Biel. L'héroïne de la série 7 à la maison a bien grandi. Véritable ambassadrice du glamour made in USA, Jessica Biel, avec sa plastique irréprochable, se voit attribuer la 24e place des femmes les plus sexy. Cette beauté de rêve attise le regard de nombreux hommes. Mais son cœur n'est plus à prendre puisqu'elle vit une véritable histoire d'amour depuis plusieurs années avec le chanteur Justin Timberlake. L'héroïne de l'agence Tourisque met sa plastique parfaite en avant sur les tapis rouges et met le tout Hollywood à ses pieds. Son anatomie spectaculaire met ses fans en émoi à chacune de ses apparitions. En 23e position, voici Jennifer Lopez. Jenny from the Block sait mettre ses atouts en valeur, mais c'est surtout son postérieur qu'elle n'hésite pas à montrer, aussi bien dans ses clips que sur les tapis rouges, une sorte de marque de fabrique. Cette brune muy caliente à la peau dorée a conquis les plus beaux gosses de la planète. Ben Affleck, Puff Daddy et son mari le sexy Marc Anthony. Avec ses courbes généreuses, elle n'a rien à envier au mannequin Longiline. Elle est tout simplement sublime. On peut avoir 46 ans et être très sexy. Courtney Cox en est la preuve vivante puisque vous l'avez placée 22e de notre classement. Révélée par la série Friends, l'actrice hollywoodienne n'a jamais été aussi belle. Par ailleurs, elle n'hésite pas à montrer son corps magnifique dans sa nouvelle série, Cougarton. Mais messieurs, vous pourriez peut-être être le prochain de ses prétendants car Courtney Cox est tout juste célibataire. Elle vient d'annoncer qu'elle se séparait de son mari, le comédien David Arquette. C'est à New York que l'on retrouve notre 21e star la plus sexy. Alicia Keys a tout pour elle, une peau lumineuse et un corps tout en courbe. Elle est un véritable exemple pour des femmes tout en rondeur.
Chanteuse enchanteresse, elle a vendu des millions d'albums. Jeune mariée, elle vient de mettre son premier enfant au monde et se trouve toujours plus sexy. En 20e position, une jeune californienne blonde aux yeux bleus. Ancien mannequin, Cameron Diaz a réussi à s'imposer dans le cinéma hollywoodien. En véritable sportive, surfant sur les vagues de Malibu, elle exhibe un corps ultra musclé. Qui ne se souvient pas de Cameron Diaz en maillot de bain dans le film Les Drôles de Dames ? Avec ses tenues des grands créateurs, elle affole les tapis rouges du monde entier. Elle a joué avec les acteurs les plus sexy du cinéma. Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Jude Law. Oh, quelle vénarde! The king of the club. C'est dingue. Je vous avoue que là, je ne sais plus où donner de la tête. Bon, ça me change des vestiaires du 15 de France. Allez, découvrons plutôt tout de suite les jeunes femmes qui ont réussi à se placer entre la 19e et la 10e position. Révélée en 1994 aux côtés de Keanu Reeves dans Speed, Sandra Bullock a depuis multiplié les rôles au cinéma. Si elle est sexy sur les tapis rouges par ses robes de créateur, elle a fait fantasmer tous les hommes de la planète grâce à un baiser fougueux donné à Scarlett Johansson qui venait lui remettre un prix en l'honneur de sa carrière. Sandra Bullock peut se réjouir d'être l'actrice la mieux payée de l'année selon le magazine Forbes. La comédienne âgée de 46 ans a amassé 56 millions de dollars, notamment grâce au succès des films La Proposition et The Blind Side, pour lequel elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice. Récemment divorcée, elle vient d'être élue par un magazine américain la mère célibataire la plus sexy. À la 18e place, voici la tentatrice Rihanna. Avec ses jambes qui n'en finissent plus et ses coupes de cheveux légendaires, c'est le ventre de la princesse des Barbades qui reçoit les honneurs de la presse féminine. Selon un sondage organisé par une société pharmaceutique, la chanteuse aurait la sangle abdominale la plus attrayante du show business. Un titre qui lui est revenu après la publication d'une photo la montrant en bikini. La princesse du hip-hop est l'une des reines de la sensualité et de la provocation. Élue par 10 millions d'internautes pour un magazine américain, la femme la plus désirable de la planète, voici en 17e position la sublime Eva Mendes. La belle actrice d'origine cubaine est une femme parfaitement à l'aise avec son corps et pas vraiment pudique. Objet de tous les fantasmes, la bomba latina a mis ses courbes généreuses au service d'une campagne publicitaire pour un parfum qui a été censuré à cause d'un téton. Et pour vous spécialement, messieurs, voici la pub. Elle est aujourd'hui belle et sexy, Eva Mendes petite voulait rentrer dans les ordres. Heureusement pour vous messieurs, la sculpturale Eva a depuis changé d'avis. D'ailleurs, avec des courbes pareilles, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Déjà dans le film Léon aux côtés de Jean Reno, son minois envoûtait. Une vingtaine d'années plus tard, elle est la mythique princesse Amidala de la trilogie Star Wars et les spectateurs sont subjugués par sa beauté. Si la peau diaphane et les traits de femme-enfant de Nathalie Portman ont fait son succès, nombreux sont les marques qui la plébiscitent pour la voir comme égérie. Elle vient de recevoir de nombreux prix pour son rôle de danseuse étoile dans Black Swan. Mais le plus grand rôle qu'elle s'apprête à interpréter est celui de maman. Nathalie Portman n'est pas la seule à attendre un heureux événement. Sortez la layette et la tétine 3 vitesses, ça va pouponner en 2011 chez vos stars préférées. Après la mode des sacs à main et des chaussures tendance, le gros ventre et le bébé sont l'accessoire fashion du moment.
Petit tour d'horizon des futures ou jeunes mamans les plus sexy de notre palmarès. L'actrice Vanessa Demouy, placée à la 73e place, déjà maman d'un petit garçon de 7 ans, va bientôt mettre au monde son second enfant. La maternité se porte aussi très bien chez les mannequins. Dootson Cross a eu un bébé en début d'année qu'elle a nommé Phylon. Celle que vous avez placée 51e de votre classement, Nicole Kidman, a annoncé cette semaine à la surprise générale la naissance de sa deuxième petite fille, Fess Margaret, grâce à l'assistance d'une mère porteuse. Enfin, vous allez découvrir dans le top 10 de ce classement les ravissantes Penélope Cruz, Marion Cotillard et Jessica Alba, qui elles aussi ont succombé au choix de la grossesse et de la maternité cette année. En effet, l'actrice espagnole et son mari Javier Bardem viennent d'accueillir un petit garçon dont on ignore encore le prénom. Marion Cotillard va voir la vie en rose puisqu'elle attend son premier enfant prévu pour le mois de mai. Quant à Jessica Alba, elle vient d'annoncer par le biais de Facebook sa grossesse. La comédienne mariée avec le producteur Cash Warren est déjà maman d'une petite fille prénommée Honor Marie. Voilà en tout cas des bébés qui pourront se flatter d'avoir les mamans les plus sexy du monde. Direction la Slovaquie où notre prochaine femme la plus sexy se retrouve en 15e place. Regardez-la dans les yeux. Oui, oui, j'ai dit dans les yeux. Adriana Carambeu, qui s'est fait connaître du grand public grâce à une publicité pour un soutien-gorge, détient le record du monde de longueur de jambes. 1m26 de bonheur et de sensualité. Cette jeune tornade blonde est un délice pour les yeux. Avec ses mensurations parfaites, elle a fait succomber le champion du monde de football, Christian Carambeu. Véritable fantasme pour les hommes, elle est à un tournant de sa vie puisqu'elle a décidé de devenir maman. En 14e position, voici la Friends la plus sexy d'Hollywood, Jennifer Aniston. La couverture d'un célèbre magazine américain où la belle était uniquement vêtue d'une cravate doit y être pour quelque chose. À 40 ans, l'ex de Brad Pitt assume son statut de célibatante. Elle papillonne d'homme en homme, trouvant toujours un collègue sexy pour partager sa vie. Gérard Butler, Vince Vaughn ou encore le chanteur John Mayer. Il faut dire que l'actrice ne ménage pas ses efforts pour rester au top de la glamattitude. Un corps sculpté, une coupe de cheveux toujours autant adulée et un sourire ultra bright. Bref, elle irradie de bonheur pour notre plus grand plaisir. À la 13e place, on retrouve l'une des Françaises les plus connues dans le monde, Marion Cotillard. Grâce à son rôle dans La Môme d'Olivier Dahan, Marion Cotillard a été propulsée une des femmes les plus sexy du monde. Icône nationale de la sensualité et de la beauté, notre Frenchie n'hésite pas à poser en lingerie pour le plus grand plaisir de ces messieurs. Au bras de Guillaume Canet, elle est encore plus sexy. Toutes les femmes du monde l'envient et tous les hommes en sont dingues. À la 12e place, Angelina Jolie. Cette beauté made in USA est l'une des plus glamour au monde. Sa bouche incroyablement sexy et ses courbes parfaites font d'Angelina l'une des femmes les plus séductrices de tous les temps. Et ce n'est pas Brad Pitt qui dira le contraire. Que ce soit sur les tapis rouges, sur les couvertures des grands magazines ou dans son engagement pour les plus démunis, Angelina Jolie fait tourner toutes les têtes. Parce qu'elle a su jouer avec son image de pin-up, c'est le fantasme du moment, elle le sait et elle en joue. La sublime Megan Fox se retrouve à la 11e place des femmes les plus sexy du monde. Cette digne héritière d'Angelina Jolie est l'actrice qui monte à Hollywood. Avec sa plastique parfaite et ses yeux bleus, l'actrice fait fantasmer tous les hommes de la planète. Cet objet du désir fascine. La jeune actrice de 24 ans est une star et ses apparitions sur le tapis rouge sont un véritable enchantement. Belle, sensuelle et glamour, Megan Fox est devenue, hélas pour vous messieurs, une jeune femme rangée puisqu'elle vient d'épouser Brian Austin Green, l'acteur qui jouait dans la série Beverly Hills.
Megan Fox. Bon, reprenons-nous parce que nous ne sommes pas encore entrés dans le top 10. Vous vous rendez compte? Apparemment, on peut faire encore mieux que si tu es une star sexy, que Jennifer Aniston, Eva Mendes ou Adriana Carambeau. J'avoue que je suis curieux de découvrir celles qui ont bien pu vous séduire davantage. Alors, si on allait voir tout ça tout de suite, vous venez? Avec ses lèvres pulpeuses et sa poitrine généreuse, Scarlett Johansson est 10e de notre classement. Devenue célèbre grâce à son rôle dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, elle rencontre un véritable succès dans le film Match Point de Woody Allen, dont elle devient la muse. Avec son teint de porcelaine, la comédienne américaine est l'une des femmes les plus sensuelles d'Hollywood. Ses formes voluptueuses et généreuses font d'elle la digne héritière de Marilyn Monroe. Objet de tous les fantasmes, elle est en instance de divorce avec celui qui a été élu cette année l'homme le plus sexy de la planète, Ryan Reynolds. À la 9e place de notre classement, on retrouve Shakira. Cette libano-colombienne est l'une des artistes latinos les plus reconnues, avec près de 50 millions d'albums vendus. Mais Shakira est surtout connue pour son déhanché des plus sensuels. Elle n'hésite pas à exhiber son corps parfait dans tous ses clips, les rendant de plus en plus chauds. La chanteuse officielle de la Coupe du Monde 2010 n'hésite pas à montrer son ventre plat sur une peau des plus dorées. Sa crinière de feu et sa bouche pulpeuse en font certainement l'une des chanteuses les plus sexy de la planète. Marseille, c'est la mer, la Canebière, l'OM et la ville où est née l'une des stars les plus sexy de France, Clara Morgan. Animatrice vedette d'Énergie 12, chanteuse à succès, styliste, cette redoutable businesswoman mène ses affaires avec autant de charme que de sex appeal. Grâce à ses petites tenues en lingerie fine, elle affole les hommes. Chaque année, la blonde incendiaire sort son propre calendrier sexy avec des photos suggestives pour votre plus grand plaisir. Et oui, me revoici déjà, car je vous l'avais annoncé, j'ai une nouvelle invitée. C'est une habituée de ce palmarès des stars les plus sexy. Elle se place cette année en 8e position. J'ai la grande chance et l'honneur d'accueillir Clara Morgan. Bonjour. Bonjour. Clara, merci d'être avec moi. Merci de m'inviter. Donc tu fais partie des 10 plus belles femmes du monde. Ça te fait quoi? Ben, ça me fait... j'y pense pas trop. Ça me fait toujours bizarre quand vous m'invitez chaque année. Je sais pas combien je suis classée. Huitième. Huitième, ouais. Ah oui, c'est vraiment bien. Je crois que c'est mieux que l'année dernière. Est-ce que tu m'entends? Sexy, tu l'es assurément. Merci. Mais en plus, avec plein de cordes à ton arc, on te voit dans ma chanson. Mm-hmm. Ça a l'air de te motiver, non? Bien sûr, j'ai la vie dont je rêvais, j'ai la possibilité de m'exprimer, de créer des choses. Comme dans ton dernier clip, Il, oui. Qui est très sensuel. Merci. Personnellement, je le trouve très, très osé. Bah écoute, c'est un compliment pour moi, donc je te remercie. Il est un concept assez particulier qui ne s'est jamais fait, c'est un striptease à l'envers. Et les textes me tiennent beaucoup à cœur aussi parce que l'histoire, c'est de mélanger des « il » et des « elle » dans cette chanson. Donc j'espère qu'on écoutera aussi les paroles. Ouais. Mais je trouve que tu es assez mal placée quand même pour parler de provocation. Je crois que tu poses nu, non? Non, j'ai posé nu, ouais, quand j'avais 20 ans. Bon. Ah oui, mais il n'y a rien de déplacé. Exactement, c'est une façon de s'exprimer, mais tu la connais bien. Il y a un côté artistique et que les gens n'ont pas forcément au premier coup d'œil. Mais c'est pas grave, on va leur laisser le temps. Voilà, exactement. Pour toi, c'est compatible avec ta carrière d'animatrice sur Énergie 12? Il va falloir choisir.
pourquoi choisir? Non, mais je veux dire, tout ça pour moi est très lié, forme mon univers. Energy 12 m'a donné ma chance avec cette émission qui s'appelle Tellement People et qui cartonne. Et je vois pas pourquoi je devrais choisir entre ces parcelles de mon univers. On a l'impression que tu ne vieillis pas. C'est quoi ton secret? Alors ça, c'est un très joli compliment et déjà, je tiens à t'en remercier. J'espère que ce n'est pas écrit sur tes fiches. Non, c'est pas écrit. Non. Bah, je t'en remercie. Je viens d'avoir 30 ans et je pense qu'on est beaucoup mieux dans sa peau à 30 ans qu'à 20. En tout cas, j'aimerais pas revenir à mes 20 ans parce que je me sens bien aujourd'hui. Et si j'ai un conseil, un seul que je puisse donner à tout le monde, c'est vraiment d'aller au bout de ses passions, au bout de ses rêves. Je pense qu'on se sent mieux quand on essaie de se dépasser. Merci Clara. Mais merci de m'avoir invitée. Je te trouve très ravissante. Je te remercie beaucoup. Il reste encore 7 jeunes femmes dans ce palmarès des 100 stars les plus sexy. Qui, en 2011, a le plus conquis le public français? Quelle ravissante jeune femme allons-nous découvrir aux premières places? Eh bien, sachez-le, vous n'avez encore rien vu. La preuve. Une des femmes les plus sexy est française. En 7e position, voici Laetitia Casta. Avec ses formes généreuses, l'ancien mannequin a marqué toute une génération et grâce à elle, les rondeurs sont revenus à la mode. Tous les grands couturiers se l'arrachent. Elle devient même l'un des anges d'une célèbre marque de lingerie. Les magnifiques courbes du mannequin ont été mises en avant dans le clip de Chris Isaac ou dernièrement dans celui de Rihanna, une bombe sexuelle. Après les podiums, Laetitia Casta envoûte les salles de cinéma. Elle fait d'ailleurs l'unanimité auprès de la presse pour son interprétation de Brigitte Bardot dans le film sur Serge Gainsbourg. Attention messieurs, en 6e position, voici la toute nouvelle célibataire la plus sexy du moment, Eva Longoria. On ne présente plus la sublime Gabrielle Solis de la série Desperate Housewives. Ce petit brin de femme d'1m57 n'a rien à envier aux géantes d'Hollywood. Son corps sculpté et ses formes à la limite de la perfection font d'Eva l'une des femmes les plus attirantes du monde. Cette ancienne reine de beauté est dangereusement sexy. Fraîchement séparée de Tony Parker, nombreux sont ses prétendants. Alors messieurs, dépêchez-vous. Attention, la chaleur monte dans notre classement. À la 5e place, Beyoncé. Si l'on devait attribuer un nom au mot sex appeal, ce serait Beyoncé. Véritable icône du glamour et de la mode, la prêtresse de la soul a littéralement dominé la scène de sa voix puissante, ondulant les courbes d'un corps tout en muscles. La lionne n'hésite pas à montrer ses formes généreuses dans ses clips. Détentrice du record de récompenses, elle brille également dans le monde du cinéma où son interprétation dans Dreamgirls a fait l'unanimité de la presse. Personne ne résiste à son charme et ce n'est pas son rappeur de Mary Jay-Z qui dira le contraire. Il est crazy in love. L'Espagnol qui a conquis le cœur d'Hollywood se retrouve en 4e position. Quoi de plus normal? La muse de Pedro Almodovar est connue sous le nom de la Madone de Madrid. Son regard de braise et sa poitrine généreuse ont fait des ravages. Et ce ne sont pas Tom Cruise, Matthew McConaughey ou encore Javier Bardem qu'elle vient d'épouser qui diront le contraire. Penélope Cruz apparaîtra aux côtés du beau Johnny Depp dans le prochain volet de Pirates des Caraïbes. Okay. Nous venons d'admirer au fil de ce classement des femmes toutes plus belles les unes que les autres et pourtant, aucune d'elles ne figure dans le top 3. Incroyable. Vous vous doutez bien que ce podium 2011 est occupé par un trio de rêves. Alors, quelle star va remplacer cette année sur la 3e marche du podium Penélope Cruz, que vous venez de voir en 4e position? Une magnifique comédienne, habituée à fréquenter des super-héros, comme moi.
Ça vous dit quelque chose? Direction Los Angeles pour retrouver Halle Berry sur la troisième marche de notre podium. L'actrice oscarisée a su mettre sa beauté et son charme au service de sa carrière. Tour à tour inoubliable dans son bikini en James Bond Girl ou dans la peau de Catwoman avec sa combinaison qui laissait apparaître sa plastique parfaite, Halle Berry est considérée comme l'une des plus belles femmes d'Hollywood. Ses courbes généreuses et son visage harmonieux ont fait de l'actrice de 42 ans un véritable sex-symbole. La nouvelle compagne d'Olivier Martinez a été élue maman la plus sexy du monde par un célèbre magazine américain. Halle Berry, que j'ai adoré dans Catwoman et dans X-Men, a donc supplanté Penélope Cruz. Reste deux stars à placer tout en haut de notre palmarès. Deuxième l'an dernier, Sophie Marceau a étonnamment perdu 32 places au classement cette année. Qui lui succède? Vous avez une idée? Une favorite? Voici la réponse. Avec des origines mexicaines, indiennes, danoises et françaises, la caliente Jessica Alba se retrouve à la deuxième place de notre classement. L'américaine à la peau dorée, véritable bombe vivante, cultive depuis ses débuts dans la série Flipper une image sensuelle qui lui a valu plusieurs titres de femme la plus sexy du monde. Qu'elle soit blonde, brune ou rousse, cette beauté exotique affole les tapis rouges du monde entier. Mariée et maman d'une petite fille, l'héroïne des 4 Fantastiques a vraiment tout de la femme parfaite. Voici venu le moment que vous attendez tous, la révélation de la gagnante de notre classement. Qui va donc porter le titre de star la plus sexy en 2011? Qui va succéder à Lorman Odou, lauréate l'an dernier et qui ne fait carrément plus partie des 100 cette année? Je peux vous donner quelques indices. Elle est de nationalité italienne et française. Elle a commencé sa carrière dans le mannequinat. Aussi belle que talentueuse, elle est mariée à un célèbre acteur français. Monica Bellucci est l'une de ces femmes que l'âge n'atteint pas. En plus d'avoir une carrière internationale, un mari ultra sexy et deux enfants magnifiques, la bombe italienne peut également se vanter d'être un canon de la beauté. De ses débuts de mannequin à ses rôles au cinéma, la magnifique Monica sait mettre ses formes voluptueuses et généreuses au service de son image de femme fatale. Objet de tous les fantasmes, ce n'est donc pas un hasard de la retrouver sur la première marche de notre podium. Monica Bellucci, que vous avez placée en tête de notre classement 2011. La star italienne est pour la deuxième fois en 3 ans élue femme la plus sexy de l'année. Une couronne méritée, avouons-le, car si elle brille par son incroyable beauté, Monica Bellucci étonne également par sa personnalité, son charisme et son exigence professionnelle. Des qualités qui contribuent à la rendre terriblement sexy. C'est donc sur cette victoire de la compagne du très chanceux Vincent Cassel que s'achève cette émission. J'étais très heureux d'avoir été choisi pour vous la présenter et je vous laisse avec plein d'images dans la tête que vous n'êtes sûrement pas prêts d'oublier. Ciao les amis. You